Salut Rémi. Salut. Ça va? La forme? Impeccable, ouais. Ça... Oh, pardon. Oh, t'inquiète pas. Ok. Waouh, ça fait quoi 5 ans depuis le lycée? Ouais, au moins, ouais, 5 ans. 5 ans après, moi je suis producteur et toi... Moi je viens de voir. Alors? Alors? Ton projet, tu m'as apporté quelque chose à lire, un scénar? Oui, pardon, oui, pardon, excuse-moi. Alors non. Enfin, je veux dire, j'ai pas de version écrite du scénar. Je me suis dit que ce serait mieux de te le raconter à l'oral, parce que trop compliqué à comprendre à la lecture. D'accord. Je te raconte? Ouais. Ok. Alors, en gros, imagine réflexe. Que... C'est comme un chewing-gum. C'est pour toi. Ouais, moi, les chewing-gums, c'est... Non mais, t'inquiète, ils sont bio, ils sont sans gluten. C'est pas comme les merdes en plastique qu'on bouffait avant. Du plastique? Ouais, bah les chewing-gums, c'est fait avec du plastique. Ah ouais? Tu savais pas? Ouais, bah merci, non mais... Vas-y, mange. Non merci, je suis... Vas-y. Si t'es pas bon, je te le donnerai pas. Ok. Merci. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Bon, du coup, ton film, ça se passe à quelle époque? Ah bah ça se passe à une autre époque, en fait, en ce moment. Ok. Voilà, on peut dire, ouais. T'as un titre? Trash. 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 Ça veut dire quoi? Ça veut dire poubelle. Ok. Alors, je te donne 5 minutes. Ok? Ok. Vas-y. Alors, en gros, ça commence. Un jour, on sait pas trop pourquoi, mais... Attends, les poubelles. Toutes les poubelles. C'est pas possible, la mastication en même temps que tu parles, c'est... Tiens. J'ai cru. Je l'ai avalé. D'accord. Je te relance. Bon, vas-y, je t'écoute. Ok, alors. Alors, il faut s'imaginer. Donc, un jour, on sait pas trop pourquoi, mais toutes les poubelles du monde deviennent très méchantes. Quand tu dis toutes les poubelles, c'est-à-dire? Genre, dans la rue, les poubelles dans la poubelle de la cuisine, la petite de la salle de bain, la corbeille à papier, jaune pour le plastique. Ok, toutes les poubelles. Toutes les poubelles, ouais, c'est ça. Et donc, ça se passe dans une grande ville, une très grande ville, une grosse agglomération, type Paris, quoi. Bon, là je pense à Paris, parce que là, on est à Paris en ce moment, donc je dis Paris. Bon, on aurait été à Los Angeles, par exemple, je t'aurais dit. Grande ville, quoi. C'est ça, on est dans une grande ville. Et dans cette grande ville, il y a une grève générale. C'est-à-dire que, vraiment, ça ne travaille plus. Il y a plein de gens qui ont arrêté de travailler, et notamment les éboueurs, en l'occurrence. Et les poubelles, elles accumulent les déchets qui sont pas ramassés, quoi. C'est compressé, c'est sous pression, quoi. Et cette pression-là des déchets crée de l'énergie. Et cette énergie-là est l'énergie qui donne vie aux poubelles. Les poubelles prennent vie. Et cette énergie, elle se traduit par l'odeur, en fait. C'est l'odeur qui représente cette énergie. Okay. Tu me dis, hein, s'il y a un truc qui... Non, ça va, je t'écoute. Ok. Et donc là, on arrive au nœud du scénar. Vraiment, c'est la partie la plus importante. C'est que les poubelles, qui donc deviennent méchantes, tu vois, s'attaquent aux gens. Et se servent de l'odeur pour attaquer les gens. Bon, par exemple, je suis une poubelle, tu vois. Clac, hop, là, je vois un humain. Paf, je lui envoie mon odeur à la figure. Et le mec, il devient complètement livide, tout blanc. Il est pas bien. Et il vomit. Il vomit énormément. Il se vide, quoi. Bah, et après le vomissement, il y a quoi? Ah bah après, il meurt. Ah ouais, carrément. C'est fini, il décède. Fin de l'humanité, plus d'espoir, tout le monde meurt. Science-fiction, quoi. Ouais, science-fiction, ouais, grave. J'aime bien ça, pas d'espoir à la fin. Oui. C'est bien. Mais c'est ça, parce que, tu sais, à chaque fois dans les films, à la fin, il y a toujours l'espoir ou quoi. Hein. Mais là, non, c'est ça. Ça, c'est mon idée, ça. 5 minutes, pile. Tu t'es entraîné, non? Non, je sais pas. Je voudrais juste revenir sur cette histoire de vomissement. Concrètement, c'est quoi ce bruit de vomissement? Je comprends pas très bien la question. Fais-le-moi. Bah, j'imagine que c'est un truc qui vient de... C'est un... Je sais pas, j'ai pas trop réfléchi à cette question, je t'avoue. Ok. Je vais pas tourner autour du pot, on se connaît tous les deux un peu. J'adore ton projet. Je parle à tout le monde. Le virus, la grève, tout ça, c'est super. Tu coches plein de cases. Waouh, je sais pas trop comment réagir. Ne réagis pas, écoute-moi. Ouais. Il me faut ce bruit de vomissement. Tu travailles sur ce bruit, et dans 48 heures, tu me le ramènes. Et si le bruit me convient, je signe.
Faut que les gamins, dès qu'ils vomissent, ils se disent tiens, c'est trash. Ok. Oh, waouh. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Super. Ok.